on revient sur le marché des créateurs de Prosper Montagnier à Carcassonne, je suis en compagnie de Maxence. Maxence, tu peux me dire un peu ton projet, la matière et ce que tu fais en création. Parce que tu n'es pas tout seul. Non, je suis avec ma copine. Voilà, parle un peu plus fort, tu peux enlever un peu ton masque de toute façon. Alors je suis accompagné de ma copine. Nos réalisations, c'est des pots pour des succulentes. Mmh. Elles sont réalisées à partir d'une grâce à une imprimante 3D. D'accord. La matière, elle, c'est du PLA, donc c'est un plastique mais biosourcé et biodégradable. D'accord. Et c'est la base de PLA croisée avec 30% de particules de bois pour ceux que vous voyez en beige. Et oui. Ceux qui sont en blanc, ouais. Ce sont la même base du PLA. D'accord. Avec 30% de poudre de marbre. Est-ce qu'il faut les arroser, ça, c'est des plantes où alors, on arrose ou pas? Alors, les plantes, elles ont besoin de une fois par semaine d'arrosage en saison d'été, quand il fait chaud. D'accord. Après, là, actuellement, elles sont en période de sommeil, donc elles n'ont pas forcément beaucoup de besoin d'eau. Mmh. Donc là, c'est une fois toutes les deux semaines, si elles sont dans un endroit chaud. Et on a une gamme aussi zéro déchet. Donc pareil, tous nos tissus viennent de France et de l'éco-conception. D'accord. On a des vides tubes pour terminer les dentifrices, pareil, réalisés en impression 3D PLA. Mmh. Et voilà, on tourne autour de ça, sur l'impact environnemental. D'accord, et l'idée est venue comment? Alors on a créé l'entreprise durant le confinement. Donc c'est ma copine qui m'a offert une imprimante 3D et j'ai trouvé ce projet vraiment comme ça, un coup de tête. D'accord. Et à la base, j'en avais fait qu'une seule, mais c'était pour moi. Et puis j'ai vu que ça plaisait à beaucoup de gens qui venaient chez moi. Donc tout de suite, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir ma micro-entreprise. D'accord, ça fait combien de temps? Maintenant, ça fait 3 mois. Comment on fait pour te joindre? Alors, une question, est-ce que les plantes ils grandissent ou ils restent comme ça? Alors non, ces succulentes, elles ont une croissance très faible, donc elles vont rester quand même petites. Et il n'y aura jamais besoin de les dépoter et de les rempoter. D'accord. Elles vont rester dans le pot et elles vont se marier parfaitement avec le pot. D'accord, allez, on va essayer de marcher en même temps. Alors, toutes les fleurs, c'est les mêmes. Alors, c'est pas les mêmes familles, non, c'est bon. Parce que les succulentes, c'est vraiment une grande famille, D'accord. C'est comme les cactus. Ouais. Et il y a vraiment des espèces très variées, les couleurs, les formes. Ouais, je vois ça, c'est magnifique. Hein. Ouais. Et est-ce que ça existe en plus gros ou tu nous as fait tous comme ça à peu près où on peut... Pour les pots Oui, pour les pots, pour la présentation. Alors, pour l'instant, on est toujours dans cette gamme-là. Voilà, ouais. Parce que c'est l'imprimante, elle, qui a certains volumes. D'accord. Donc les très gros, c'est le volume maximum que je peux imprimer. D'accord, actuellement. Ok. Mais plus tard, nous allons acheter une nouvelle imprimante qui aura une surface d'impression beaucoup plus élevée. D'accord. Et là, je vois que tu fais aussi des... Voilà, ça, c'est ma copine. C'est la gamme zéro déchet. Zéro déchet. Ok. Voilà. Super. Génial. Alors, il y a les essuie-tout, il y a les petits cotons réutilisables, les vides tubes. C'est quoi, ça? Et ceci, c'est les vides dentifrices, en fait. D'accord, ok. Ça permet vraiment de terminer totalement. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière. Ouais, vous êtes vachement dans les... c'est ouais, super. Ouais. Génial. Alors, comment on fait pour te joindre si quelqu'un est intéressé? Alors, on a une page Facebook pour les personnes qu'on peut livrer. Parce qu'actuellement, on est dans l'Isère. Donc, d'accord. On livre surtout l'Isère et la Drôme. Ouais. Alors, c'est quoi ta page? Qu'est-ce qu'il faut taper, quoi? Alors, il faut taper cycle de vie tout attaché sur Facebook. Cycle de vie. Sinon, on a une boutique sur Etsy pour les livraisons plus lointaines. D'accord. Donc, on fait des envois via la poste. Ok. Je te remercie. C'était comment ton prénom déjà? Maxence. Ouais. Et ta copine, comment elle s'appelle? Manon. Manon, super. Du très bon boulot. Merci. Vous êtes des bons créateurs, créatrices. C'est génial. Merci à vous. Merci.